Nous sommes dans les dernières minutes d'un match toujours nul à Strike Island. Où la nouvelle stratégie de défense des Sultans dans le piège de sable n'a pas permis aux Strikers de tenter de marquer un seul but. Twisting Tiger, et si on essayait ça? El Matador et moi, on charge la défense arrière pour ouvrir une voie dans leur piège de sable. Et toi, c'est là que tu dégaines ton Power Cross. Tiger lance les hostilités. Mais les attaquants ratent l'occasion qu'il leur a offerte. Et c'est une touche pour les Sultans que Duval s'empresse de récupérer. Le robuste défenseur trouve Zou. Et les Sultans se lancent dans une contre-attaque éclair. Et le capitaine offre leur victoire aux Sultans. Encore une parfaite réussite, coach, grâce à votre piège de sable. C'est la première fois que le Power Cross de Twisting Tiger est un échec total. Si Shakes trouve un moyen de remédier à cela, alors le piège de sable s'effondre. Mais Shake, j'ai donné le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis sûr que tu trouveras quelque chose, Duval. Oh. Piège de sable. Super! Oh, on était pourtant à deux doigts de contourner le piège de sable. Et si on essayait une tête la prochaine fois? Yeah, essayez. Tiger, tu peux faire ton power cross plus haut? Mais Duval récupère les balles hautes à chaque fois. Klaus, et ta bicyclette? J'ai pas le temps de tourner. Tu l'as déjà proposé, ça. Laisse tomber, Shake. Ouais, et vire tes grosses fesses de ma voiture. Moi, je m'en vais. Désolé pour ça, mon Bruno. Qu'est-ce que vous fabriquez tous encore ici? Il y en a un qui a une petite obsession pour le piège de sable. Messieurs, vous devriez prendre un petit peu de recul sur ce problème. Peut-être avez-vous besoin d'une pause. Des vacances? Vous nous faites une blague, là, pas vrai? Faisons une petite escapade sur la route de Dubaï. Ça vous dit les pyramides? On va aller en Égypte. Génial! L'Égypte, hein? Le genre d'endroit où on doit facilement pouvoir se perdre. Carrément en bloc, mon pote. J'ai super hâte d'essayer ces dunes. Essayer ces dunes? Du sandboarding, Shakes. C'est un peu le surf du désert, c'est trop cool. Allons visiter les pyramides en premier. Il y a plein de serpents, de pièges trop classe et de momies. Klaus, mec, les plus grands secrets de l'Égypte sont dans les hiéroglyphes et pas dans ces mythes. Oh, pitié. Qu'est-ce qui pourrait surpasser les secrets de beauté de Cléopâtre? Des masques et des miels sauvages pour tout le monde. Pas question. Le sandboarding les d'abord. Musées. Les momies. On n'a pas tout faire. Nous n'avons pas assez de temps. Chacun d'entre vous a le droit de faire ce qu'il préfère. Génial. Il faut simplement que nous soyons à Dubaï demain. Merci, coach. Et que tout le monde reste sur le groupe. Quel groupe? Non, pas encore un de ces groupes de geeks. Y a trop de messages qui servent à rien. Ah non, y a même de superbes gifs des Strikers. En fait, ça s'appelle GIF, coach. À vrai dire, ça se prononce GIF. On s'en moque? C'est carrément préhistorique. Ok alors, le meilleur mème de notre journée l'emporte. Vous êtes irrécupérable. D'accord. Shakes! Allez, monte, Shakes, mec! Avant de finir écrasé comme une crêpe! Merci d'avoir choisi Anubis Tour. Notre première étape sera... J'en reviens pas. Je ne peux même pas dire qu'avoir les Super Strikers dans mon bus est un rêve. C'est une bénédiction! Je m'appelle Salma et je serai votre guide pour... partout où vous voudrez aller! Vous pouvez proposer quelque chose avec des momies, par exemple? Ou un musée avec des objets anciens et des hiéroglyphes? Je connais un endroit qui vous irait à tous les deux. On a récemment découvert la tombe du pharaon Némincis III. C'est toujours fermé au public, mais l'archéologue responsable est ma tante. Peut-être que je pourrais vous avoir une visite exclusive. Hey, et nous alors, on compte pour du beurre? Ouais! Si c'est interdit au public, on veut y aller aussi. Ouais, je veux aussi voir ce tombeau. Parce que j'adore les endroits secrets et isolés où on peut risquer de disparaître. Ok, on part à l'aventure. Bienvenue dans le tombeau du pharaon Némésis III. La tradition voulait qu'on enterre les pharaons avec leurs biens les plus précieux pour les accompagner dans leur vie par-delà la mort. C'est fascinant, pas vrai, Klaus, mec? La tombe de Salma est une vraie pointure. Ah. Professeur Nasri, vous pensez qu'on verra des gros bras cracheurs de venin, des momies, ou qu'on affrontera des dangers quelconques très excitants? Le seul vrai danger, c'est le docteur Badawi, qui dirige le service des reliques égyptiennes. Il surveille en permanence le tombeau et les reliques qu'on y découvre. Il peut être très à cheval sur les règles, alors ne touchez à rien.
D'accord? Ces hiéroglyphes indiquent que ce tunnel inexploré conduit au plus grand trésor du tombeau. Incroyable! Des lances, des pièges! Waouh! Hein? Attention, petit. On voudrait pas que tu te perdes là-dedans. Ah! De nouveau mémé de mes garçons. Sandboarding. Trop de la balle. Oh, du miel sauvage. Ma peau ne s'est jamais sentie aussi. Fourmis rouges. Cet endroit est à tombeau. Je savais qu'un break leur ferait le plus grand bien. Et, par ici, nous avons le mur des secrets. Aujourd'hui, nous savons parfaitement déchiffrer les hiéroglyphes. Waouh. Et ceci indique qu'il y avait plus en Égypte antique que la science et l'art. Nos ancêtres savaient également s'amuser. Ça pourrait peut-être nous aider à vaincre le piège de ce... Pas de flash dans le tombeau. Parfaitement. CRE, Commission des reliques égyptiennes. Je vous avais prévenu. Les lumières artificielles endommagent les pierres très fragiles de ces murs. Donc pas de photos. Ok, ok. Compris. Hé, ça te gêne pas que je t'emprunte ça, pas vrai? C'est pas vrai. Hé, hein? Le footballeur vient de prendre une photo de ses hiéroglyphes. Quoi? Je vous ai dit, pas de photo. Mais enfin, j'ai rien fait du tout, moi. Alors c'est quoi, ça? La commission des reliques égyptiennes prend ce genre de profanation très au sérieux, monsieur le footballeur. Vous allez devoir vous expliquer aux autorités. Suivez-moi. Impossible, j'ai un match à Dubaï dans quelques jours. Plus maintenant, non. Pas tant que je serai en possession de cette preuve. Hein? Je dois la montrer à Tiger. Désolé, vieux. Revenez tout de suite. Nemesis ne voulait vraiment pas qu'on lui vole ses affaires. Par ici, Horus. Ouais. Ah non, cet endroit est pire que le piège de sable des sultans. Et pire encore que les entraînements avec coach. Personne n'a vu Shex. Oh, ce fouteux là, ça fait un moment qu'il est parti. Vas. Je suppose qu'il ne devait pas être aussi fasciné que tous les deux vous pouvez l'être. C'était marrant, mais... Pas de momie. Ça aurait été cool de pouvoir au moins avoir une trappe, une fosse au serpent ou ces murs qui se rapprochent pour vous écraser. J'imagine que toutes ces choses là en fait ne sont que des légendes. Wow. Eh bien, monsieur Football. Je crains que votre fuite n'ait été vaine. En apparence, vous êtes gagnant. Mais en vrai, c'est... Horus, tu n'es qu'une poule mouillée. On est en route, coach, mon pote. Les secrets de beauté de Cléopâtre vont être révélés. Quelqu'un a-t-il des nouvelles de Shex? Non. Ça, c'est Shex, et ça, c'est Shex quand on l'ajoute à un groupe de chatski. Je suis pas sûr que Shex cherche à éviter le groupe. Peut-être qu'il a simplement disparu et qu'on devrait s'inquiéter. Shex sait très bien ce qu'il fait. Ignorer chatski, c'est le meilleur moyen de rester libre. C'est quoi ça, mon pote? Ça doit être la plus ancienne relique que j'ai vue de la journée. Blablabla.
Hein? Mais pourquoi on s'arrête ici? Badawi. Le voilà! Non! Désolé! Voleur! C'est pas du tout ce que vous croyez! Voilà maintenant qu'il vole des reliques nationales! Ah, tu vaux pas mieux qu'un chat! Je rêve! Salma! Chex! Salut! Vous avez un hydravion? Comme j'ai dit, je peux vous emmener absolument! Démarrez l'avion! Démarrez vite! Hey, mon pote, t'as besoin d'aide? Allons-y! J'en reviens pas d'avoir échappé aux deux trucs que j'aime le moins. Jet ski et le jet ski. Alors, vous comptez m'expliquer, c'est quoi l'histoire? Ben, tout a commencé au tombeau. Quelqu'un a pris cette photo et l'a cachée sur moi. Ce docteur Badawi, là, il m'a pourchassé dans ce tunnel. Des lances, des trappes, ah, des crânes humains, un chien super féroce à mes trousses, caché dans un sarcophage. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là pour rejoindre Dubaï et être à l'heure pour jouer les sultans. Bon, l'espace aérien égyptien est derrière. Et c'est bien, n'est-ce pas? Oui, maintenant vous êtes un fugitif international. D'ailleurs, gardez ça en tête. Le réservoir est à sec, il va falloir qu'on atterrisse. Mais comment vous allez atterrir? Du sable. Vous savez qu'on dit que les chameaux sont des moutons du désert. Eh bien, le sable, c'est comme des vagues. Ah, alors non, ça avait raison. Le sandboarding, c'est comme surfer. Oh, mais surfer sur des rochers. Non. Ah, le désert d'Arabie. Une véritable merveille, mais très très dangereux. Heureusement pour vous, le vieux Ben a déjà tout vu. Ok, sauf ça à nouveau. C'est tout, Shakes. Ne nous quitte pas! Chatsky nous vire automatiquement si on se connecte pas régulièrement. Il a des sushis? Le mec, regardez ça! Alors ça, c'est vraiment hilarant comme mémé. Non, coach, c'est vrai. C'est dingue. Ça alors? Il faut l'aider. Ouais. Ouais, seulement si on l'aide, alors on deviendra complice. Et les autorités vont nous mettre en prison. Et puis, comment on pourrait l'aider alors qu'on sait pas où il est? Alors on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Messieurs, ils disent que tout ce qu'il a fait, c'est prendre une photo. Il ne peut s'agir d'un vrai gros problème. 4 heures. 5 tout au plus. Horus, on dirait bien que nos fugitifs ont trouvé de l'aide. J'imagine que ça pourrait marcher, mais je dois absolument m'entraîner à cette technique pour déjouer le piège de sable. Mais je crois que mon chameau aussi a besoin de faire le plein. Ou d'une sieste. Courage, on y est presque. Je rêve. C'est exactement ce qu'il me faut. Cool. Et moi, je vais demander comment aller à Dubaï. On se retrouve là-bas dans une heure. Super. À tout à l'heure. Tu as besoin d'une bonne sieste. Ah, et d'un bain de bouche. Ça ne marchera pas sans le Power Cross. Monsieur Football. Ok, docteur Badawi. Vous m'avez eu. Exact. Personne ne peut échapper à la commission des reliques. Hé hey Pas la peine de... Oh. Là, ça c'est un petit peu. Je garde Shakes sur le terrain.
S'il y a une chose pour laquelle il reparaîtra, c'est un match de foot. Bonne idée, coach. Check, c'était sur une piste avec le Power Cross de Tiger la dernière fois. Essayons une nouvelle fois. Les attaquants, c'est sur vos épaules que tout repose. Compris, coach. On va réussir. Pour Shakes. Pour Shakes. Je te remercie d'avoir prolongé les vacances de Shakes, Duval. Oh, j'ai adoré l'Égypte. J'ai été l'un des premiers à visiter le tombeau du pharaon Némosis. C'est ça, bien sûr. C'est même toujours fermé au public. Et on est censé croire ça? Je le prouverai. J'ai des photos. Ok, les mecs, allons-y pour le Power Cross. Tiger, récupère la balle. Mais la ligne avant passe à côté. Zoom reprend le ballon et contre-attaque. Oh. Il prend vite de vitesse. Et les Sultans punissent les Super Strikers pour leur erreur. Oh, à quoi ça sert? Y a pas moyen de battre leur piège de sable. Je dois bien l'admettre. Hein? Chase! Tu es revenu? Mais t'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, t'avais soin des secrets de beauté de Cléopâtre. Un œuf de crocodile pour revitaliser les cheveux. De l'huile de safran pour ta peau. Et est-ce que quelqu'un peut lui donner une tenue propre? La voilà! Stop! J'ai découvert le moyen de battre le piège de sable. Chase! Capitaine, vous vous rappelez de la visite? Les Égyptiens antiques n'étaient pas juste maîtres en art et en science. Ils savaient aussi comment s'amuser. Les hiéroglyphes étaient incroyables, Shakesmack. Mais où est-ce que tu veux en venir? Ils jouaient au foot dans l'Égypte antique. Ça, c'est une technique. Ah, oh, tu débloques, mon frère. Ça ne peut pas marcher. Faites-moi confiance. Il me faut juste le Power Cross de Tiger. On a déjà essayé. Échec total. C'est vrai. Ça va devenir un même. Ils ont marqué en contre-attaque. C'était une catastrophe, Shakesmack. Je vous avais dit que j'ai eu droit à une visite privée. Avec un prof bizarre comme guide et tout ça. Vous voyez? Non, on voit rien du tout. Tiens les photos plus bas, imbécile. C'est juste un type avec un chapeau et des lunettes. Ouais, mon chapeau et mes lunettes. Je les ai dans mon vestiaire. Shakes est de retour! Et il apporte une vague de fraîcheur à cette deuxième mi-temps. Mais il lui faudra plus que de la fraîcheur pour venir à bout du piège de sable, Randa. Oh, c'est cet homme. Arrêtez-le! Article 794 de la Super League. Ne jamais interrompre un match. Vas-y, Tiger. Il faut que tu fasses ton Power Cross. Tu n'es pas prêt. Tu as raté 4 jours d'exercice physique. Crois-moi, j'ai fait largement ma dose. Power Cross! Est-ce que tu as la moindre idée de la souplesse que tu dois avoir? Crois-moi, ces derniers jours m'ont bien étiré. Oh, oh, oh. Désolé, Shakes. Power Cross! Shakes, ton truc prendrait des jours d'entraînement. Et ça, même avec l'équipement nécessaire. Oh, je l'avais! Tu as appris une technique de foot dans l'eau? Pas tout à fait. Allez, on réessaye. Je crois que ça ira. Encore. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Encore. Chex. Encore. Ok, Chex. Mais ça ne dépend plus que de toi. Ouais. Et voilà que le piège de sable s'effondre tel un château de cartes. Ou plutôt comme un château de sable, Mac. Ça a marché. Oui. J'ai préféré te la laisser. Tu avais raison. Joli coup, mon frère. Impressionnant, Shakes. T'as carrément déchiré, mon pote. Merci, les gars. Mais je ne vous ai jamais dit comment j'ai eu cette photo. Je crois que c'est l'heure de sonner la fin de la récréation. Monsieur Football. Salma a fait un petit travail de détective. Et il semble qu'on vous ait piégé.
Ce type dans le bus, c'était Duval? Oui, j'ai trouvé tout ça caché dans son vestiaire. On va les prendre. C'est du ressort de la Super League à présent. Article 52, 374. Ne pas déranger les adversaires pendant leur repos. Coach, est-ce que vous... Si je les connais, je les ai déjà ajoutés à notre groupe Chatsky. Flotte comme un papillon, frappe comme un scorpion. Trop classe! Salma et toi avez remporté le concours, Shakes, mon pote! Ces nouvelles mémés sont hilarantes! Coach, je crois qu'il faut que vous sachiez que ça se prononce moi-moi. Parce que celle-là, c'est moi. Encore moi, moi, moi. Ça, c'est mes orteils dans du lait d'anesse. Moi. Ouais, je te dis que Duval est allé se bronzer en Égypte. Quoi? Et pourquoi c'est toujours lui qui a droit à des trucs cool? C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Arrêtez! Stop! Stop! Arrêtez! Stop! Arrête! Stop! Depuis 25 ans que les Grimm ont rejoint la Super League, nous avons construit notre réputation d'être experts en spectaculaire. Donc, la meilleure façon de célébrer cet anniversaire sera de rencontrer les Super Strikers. Parce que votre tout premier match en Super League était contre les hommes en rouge. Précisément. Ils vous avaient battu 2-0 à l'époque. Ça rendrait la fête moins joyeuse s'ils recommençaient. Oh, cette fois-ci, nous envisageons d'inverser ce score final. Pour Grimm! Pour Grimm! Esprit de circonstance. Super Strikers! Ah, j'adore l'optimisme des Grimm. Les 2-0? Ils rêvent! Surtout pas avec notre formation de 3 attaquants, pas vrai, les gars? Tu l'as dit, Shakes! Vous n'avez qu'à me passer la balle et moi, y marquerai. Arrête! S'il y a quelqu'un sur qui on devra vraiment compter, c'est Big Bo. Sans un gardien aussi solide que lui, on ne pourrait pas autant attaquer. Faites-moi un but pour Big Bo! C'est un héros qu'on adore! Et en plus d'être un gardien en or, il est aussi super fort! Alors, Big Bo! T'es pas content qu'on soit dans la même chambre? Eh ben, j'ai apporté mon casque à réduction de bruit pour ne pas entendre fredonner, chanter et caqueter sans... Ah, merci Big Bo! Me regarde pas, mon frère! Chacun son tour. Un soir, il m'a chanté une berceuse jusqu'au lendemain. Klaus, va falloir que tu me le rendes. Waouh! C'est génial! Parfait pour composer tes nouveaux chants! Faites-moi un B! Faites-moi un I! Faites-moi un G! B! O! Hashtag jumeau! Oh, c'est vous deux. Vous savez qui est ici, dans la foule? Comme je m'y attendais. Bien, tâchez d'éviter le scandale.
Est-ce que vous savez qui je suis? Et alors? Je suis toujours le plus grand joueur que Grimm ait jamais eu. Quand ils verront ce que je vais faire à Big Bo, c'est eux qui me supplieront pour que je revienne. Bienvenue dans notre château, les Superstrikers, où nous exposons tout ce qui est Grimm, nos innombrables trophées et le Tactinomicon, mais aussi notre précieux cauldron et notre tristement célèbre train fantôme. Question! Est-ce que le train fantôme contient de véritables fantômes? Grimm a beau avoir la réputation d'être hanté, tout cela n'est que superstition. Et enfin, nous avons le mur des héros. Bat Bayard le brave, Nogdan le pas si brave, Tim Mini-Visage Dubinsky et Neville. Neville? Son père a financé le cauldron. Mais laissez-moi vous parler de l'homme qui a bâti le cauldron. La légende raconte que lorsque l'on a posé la pelouse, les jardiniers ont tombé sur une pierre qui ressemblait à un énorme crâne. Malgré de nombreux efforts, personne n'a pu la soulever, sauf Mislav Markovic. Oh! Ça, c'est ce que j'ai fait une photo. Je vais aller la mettre sur la terre. J'ai fait mon propre mur d'héros. Et où est la pierre à présent? Certains disent qu'elle fut perdue quand le cauldron a été rénové. D'autres disent qu'elle n'a jamais existé. Coach Belmont, il semblerait qu'on ait retiré quelqu'un du mur des héros. Tout ce qui est lié de près ou de loin à Spike Dawson a été banni de ses murs. Wow, c'est dur. Mais il le mérite. Ouais, pas vrai, Big Bo? C'est du passé. J'imagine que pour Spike aussi. Ce déguisement, ce costume de bal masqué ne vaut rien. Veuillez nous excuser, monsieur. Choisissez-en un autre, c'est la maison qui régale. Vous avez quoi d'autre? Morte! T'as quoi d'autre? Désolé, monsieur Dawson. Tous les autres costumes ont été réservés pour le grand match. Et ces masques, alors? Hé, hey, pourquoi est-ce qu'ils sont tous dans la corbeille des soldes? Ben, en fait, c'est la poubelle. Ah! Je suis là, avec le plan parfait pour aider Grimm à battre les Strikers, mais je ne peux pas envoyer mon message à Big Bo. Parce que ma seule solution pour passer la sécurité, c'est un costume de lapin rose! Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Hé, hey, c'est bien ça! Ouais, on a des costumes pour absolument tout, même les portables. Non, c'est des modèles d'expo uniquement. Tout ce qui nous reste, c'est ça. Vous savez quoi? Je vais le prendre. Et le costume du lapin. Hey! Pour Grimm! Pour Grimm. Est-ce qu'au moins vous pourriez apporter cette corbeille à Big Bo pour moi? Si je ne peux pas passer à travers la sécurité, je la passerai par en dessous! Personne d'autre ne connaît ces souterrains comme le vieux Spike! Bien plus frais qu'un pont concombre et plus piquant qu'un cactus, la seule vue de son ombre arrêterait un autobus. Alors au boulot, Picpo. Bonne chance pour le match. Merci, Klaus. Oh, et ils viennent d'où ces fruits? Hein? S'ils viennent pas de toi, alors? Le cauldron est raté! Hein? Ah! Hein? Dawson? Un simple merci suffirait, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, Spike? Je veux que tu comprennes combien ce match est important pour Grimm. Grimm ne veut plus entendre parler de toi. Oh, ça changera quand je dirai à tout le monde quel est ton secret. Quel secret? Depuis que tu t'es blessé au poignet il y a quelques années. Oh, je suis sûr que Klaus n'a pas envie d'entendre ça. Donc tu connais mon secret? Et bientôt, tout le monde le connaîtra dans la Super League. Quoi? Je vais le poster sur la Terre. Ok. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je vais t'envoyer faire une petite balade. Et à la fin, je te poserai une question. Réponds bien et j'effacerai le poste. Où est-ce qu'on commence? Commence par tirer sur le chandelier. Pas celui-là. Big Bo? Big Bo est un fantôme! Nous allons commencer la véritable visite de Grimm. Ok. D'abord, appeler le stade le cauldron, c'était mon idée. Et manger toutes ces glaces aussi, c'était ton idée? T'es bien. Ensuite, j'ai le tristement célèbre train fantôme, mon idée.
Et pour finir, le légendaire sens du spectacle du FC Grimm. Ton idée? Mon idée, ouais. Oh. Crime a tout fait pour effacer mon héritage. Mais personne ne peut réécrire l'histoire. Alors, qui est responsable du fait que Grimm est devenu ce qu'il est? Neville? Fais bien attention, Big Bo. Ok, c'est Spike Dawson. T'es prêt à jouer ta vie sur cette réponse? Bon, on a fini? Oh non, il va y avoir deux autres leçons. Réponds à la banane avant trois sonneries, ou je poste le message. Attends, comment est-ce que je sors d'ici? Oh. Hein? Ça mène au mur des héros. Troisième attaquant, à l'attaque! Ouais! La formation à trois attaquants déchire grave les potes! Ben, c'est facile quand il y a personne pour arrêter la balle. Klaus! Hein? Ouais, Big Bo! J'en sais rien, coach! Il a disparu comme un fantôme! Désolé pour le retard, coach. Je m'étais perdu. Très bien, bon. On peut reprendre alors. Ya, cette formation à trois attaquants marche très bien. Est-ce que c'est notre faute si on a le meilleur gardien de la Super League? C'est vrai, à condition qu'il ne recommence pas à disparaître. Hein? Big Bo. Il arrêterait un grand train et même un 320. Ce gars est... Laissez-moi, Phantom Pushix. Laissez-moi, Klaus. Big Bo a disparu. Encore. Mets ton pied dans la marque, Big Bo. Le crâne de pierre. Hein? C'est bon, Spike. Si tu veux qu'on joue au foot, suffit de demander. Oh, on va jouer à un jeu qui s'appelle Qu'est-ce que ça fait d'être Spike? Oh. Accablé par le fardeau d'un talent qu'on sous-exploitait et incapable d'aller de l'avant, à la place, j'ai passé mon temps à regarder encore et encore chacun de tes matchs et j'ai remarqué une chose que personne d'autre n'a remarqué. Comme je suis sexy en collant? Ton point faible. Dans 5 minutes, ce canon fera feu. Arrête la balle, ou je révèle ton secret. Mais... si je n'arrive pas à lever la pierre? Alors tu resteras là et on t'oubliera. Tout comme on a oublié le vieux Spike. Je suppose que ça veut dire que tu as posté mon secret sur Nadir. Pas si tu as retenu ta leçon. La carrière de qui as-tu détruite? Oh. Dis-le. Spike Dawson. Exact. Ok, c'est quoi mon dernier défi, Spike? Oh, je vais garder ça pour demain. Mais demain, c'est le match. Donc... tu crois que Big Bo est un fantôme? Je sais que c'est un fantôme! Mais il est vivant, non? Comment il aurait pu devenir un fantôme? Peut-être qu'il a été touché par un autre fantôme? Je suis pas sûr qu'être fantôme soit contagieux. Tu confonds avec les vampires, Klaus. Et les loups-garous. Et les zombies. Vous me dites que ces monstres-là peuvent créer d'autres monstres, mais les fantômes ne pourraient pas faire d'autres fantômes? Assez plaisanté. Ça n'existe pas, les fantômes. Tu vois, Klaus? C'est pas un fantôme! On se faisait du souci pour toi, mon frère! Ouais. Où est-ce que t'étais? Et pourquoi t'es trempé? Vous êtes sûr de vouloir savoir? Évidemment, on est des frères, frère! Il y a quelques années de ça, je me suis blessé au poignet contre le poteau. Il n'a pas fallu longtemps pour que je revienne dans les buts. Mais Spike s'était donné pour mission de décortiquer tous mes gestes. Et apparemment, il a découvert mon point faible. Quel point faible? Ya! Tu es le meilleur! À chaque fois que je dois plonger sur ma gauche, j'hésite un peu. Et environ un tir sur trois passes. Et donc, à moins que je ne fasse ce que Spike demande,
il dévoilera mon secret sur la Terre. Tu serais alors une cible facile pour les attaquants de Green demain soir. On aura de la chance si le score n'est que de 2 à 0. C'est plus effrayant que si tu étais un fantôme, Big Bo. Eh, hey, on se repose toujours sur toi, Big Bo. Mais demain soir, tu pourras compter sur nous. Ouais, on marquera un max de buts. Chacun au moins. Compte sur nous, Big Bo. Donnez pas la pression. Ouais. Fais-moi un bip. Non. C'est soir de match au Cauldron. Et comme toujours, les fans de Grimm savent y faire pour faire honneur à l'esprit de ces événements. Tout comme d'ailleurs les commentateurs, n'est-ce pas, Mac? Eh bien, je n'aime pas faire tâche, Brenda. Radez alors. Les gars, les gens se moquent complètement de votre look. Il n'y a que les miens qui comptent. Si vous voyez cet homme, informez-en la sécurité. Ty Dawson ? C'est cinglé ! Il y en a qui savent vraiment pas quand partir. Ce soir, Ferratuvia ressemble à une ville fantôme. Parce que tout le monde est au Cauldron. Ouais, enfin tout le monde sauf moi. Et tout ça pour rien, bellement. Waouh, ces masques rendent vraiment super bien. Ah. Parti au match. Bah, pas très poli. Ouais, parfait. On arrive à la mi-temps et les Strikers décident de mettre un coup de pression. Mais l'équipe locale parvient à garder la tête froide et résister. À ce stade du match, le jeu reste totalement ouvert. Allez, faut qu'on marque pour Big Bo. Alors à la table. Moi d'abord. Ok, tant pis. Moi après. Allez, prenez un masque. C'est ça. Regardez-moi, hein? Je suis le type qui a failli couler les grilles. Gratuit? Même si on payait, j'en voudrais pas. Dawson est un minable. Il faut que j'arrive à entrer. Finalement, c'est mon tour. Et c'est Grimm qui lance la contre-attaque. En lançant leur offensive. Les Super Strikers ont laissé une autoroute au centre du terrain. Grimm fonce droit sur Big Bo. Deux sonneries et demie, Big Bo. Tu l'as échappé belle. C'est quoi la dernière leçon, Spike? Localise la place que je devrais occuper chez Grimm, et c'est toi-même qui pourras annuler le message. La place qu'il devrait occuper? Mon dernier défi se trouve au château. Mais t'inquiète pas, on te couvre, mon frère. Spike me laisse pas d'autre choix. Tu seras jamais revenu à temps. Je connais un raccourci. Hey, yo, tu veux un tuyau? Mon coloc, c'est la star et son nom, c'est Big... Hey, vous pouvez pas entrer. J'ai dit, vous ne pouvez. Où ils sont passés? Ça file les jetons. Oui, vous avez entendu ça? Peut-être que le Cauldron est hanté. Ah, Spike, la place que tu devrais occuper, hein? Surtout pas, Big Bo! Shaix? Je sais que ça donnera à Grimm un avantage, mais tu ne dois pas laisser Spike te contrôler comme ça! Tu peux annuler ce poste, mais comment l'arrêteras-tu la prochaine fois? Ou la suivante? C'est un poste natter de Spike Dawson. Et s'il a raison, la faiblesse de Big Bo est son côté gauche. Mais où ils sont? Ça, eux, on ne pourra rien faire. Mais pourquoi vous continuez à faire ça? Oh.
bas, sur sa gauche. Spike disait vrai. Y'en a un sur trois qui rentre. Et les supporters ne réfrènent pas leur enthousiasme. Pour Spike. Ils sont pas mal, hein. Génial. Donne-moi un. Regardez. Waouh. Enfin, je reçois la reconnaissance que je mérite. Je suis vraiment content pour toi, mon vieux. Mais là, tu marches sur mon pied. Désolé, sincèrement. Green cherche réellement à profiter du point faible de Big Bo. Qui parvient à écarter la balle? Une fois encore, mais Big Bo... Parviendra-t-il à arrêter la prochaine? Mais la défense des Strikers provoque un corner. Delmont rassemble l'équipe pour profiter du corner. Il tient manifestement à inverser ce score historique et gagner 2-0. Mon ami se fait du souci et parle comme un fantôme, mais il est toujours là quand l'équipe a besoin d'un bonhomme. Te fatigue pas, Klaus. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre un but. Je t'encourage pas parce que tu ne prends jamais de but, mais parce que pour faire de notre mieux, il faut se concentrer sur nos forces, pas sur nos faiblesses. Et parce qu'on est copains de chambré. Ouais. Tu es le meilleur! J'hésite un peu. Quel point faible! Et environ un tir sur trois passes. Bien joué, Big Bo! Ça, c'est mon pote! Kulok! La balle! Big Bo déjoue le sort! Et offre un dégagement magistral! Ses coéquipiers parviendront-ils à marquer dans le camp adverse? Oui! Ils peuvent! Faites-moi B, B. Faites-moi un I, I. Faites-moi G, G. Faites-moi un autre B, B. Faites-moi O. Comment on le trouve? C'est comme trouver une aiguille dans une botte d'aiguille. C'est nul. La théorie de Spike Dawson n'a servi à rien pour Grimm. Pour Grimm. Pardon. Non, pitié. Vous pouvez me chasser, mais je reviendrai. Vous verrez. Finalement, le crâne de Pierre retrouve sa place. Ce n'est pas la seule chose qui retrouve sa place. Tu crois qu'on a réussi, Big Bo? Je dois bien l'admettre, Klaus. Tu es vraiment le partenaire de chambre parfait. Ça sonne comme un encouragement. Tu peux essayer de le mettre en chanson? Je peux t'aider. C'est Klaus, Klaus, Klaus est dans la place. Je rêve. Vous me faites le coup des fantômes, là. Je crois pas que cet endroit soit hanté. Hein?